Vous l'avez vu au titre, j'ai pas besoin de faire d'introduction. C'est parti, réaction crue 2. J'aime bien teaser en général, donc jouer sur l'ambiguïté ou sur le tiens, peut-être que j'ai un plug dans le cul depuis le matin et que tu ne le sais pas. My life be like. Ça commence bien, dis donc, putain. Quelle est la phrase pour exciter ta partenaire? What the fuck? Oh, putain, ça va être incroyable, ça. Je sens qu'on va avoir des phrases incroyables. Petite méduse, tu es une petite coquine. Oh non. Tu es une petite coquine. Ah, d'accord. Il lui en faut peu, hein, donc... Il est chaud lapin, ton copain, toi. Il est chaud lapin H24, c'est pas possible. Il suffit que je lui morde un peu la nuque. Il mord la nuque? Mais t'es pas un vampire, putain. Tu t'écris dans Twilight? C'est comment? Oh là là. Mord le cou, si t'as la jugulaire en sang, c'est que c'est bon, on peut faire l'amour, c'est comme ça que ça se passe. Pas une phrase, mais... Un coucou de la main, ça suffit. Coucou. Super, on baise. Je peux m'approcher de son oreille et lui dire des choses à voix basse. Oh là là, ça sent la pédophilie, ça. Genre, il s'approche de ton oreille et fait... J'ai de la merde collée au cul. Tu me plais. Tu me plais beaucoup. Ça aurait presque marché, putain. Et là, ça donne pas envie, ça fait pédophile. Monte-moi comme un cheval, je sais pas. Allez, petit poney. J'arrive. Il arrive, attention, il arrive. Faut faire attention, préparez vos fessiers, il arrive. J'ai pas de phrase. J'agis. Oh non. Alors en plus d'être bipolaire, elle nous a la chine d'agri. Genre tu lui sautes sur la gueule comme ça de nulle part. Elle a un jaguar sur sa proie. Vous lui montrez mes ça marche aussi. Effectivement, je pense que c'est un moyen bien efficace, mais Ça dépend tellement de la partenaire. T'as eu plusieurs partenaires avec différentes phrases. D'accord. Ça peut être je t'aime, ça peut être j'ai envie de t'enculer salope. Oh la vache, alors là, ça c'est violent, ça. Enfin, c'est gratuit, ça, par contre. C'est légal de faire ça. Désolé, mais entendre ça, ça donne pas envie, putain. Généralement, si je fais une allusion à la taille de leur sexe, ça les excite toujours. Ça se voit, c'est une grande habituée du sexe, elle. Ça, tous les jours, genre, c'est une grosse habituée, ouais. Ouais, elle est grande. Elle est dure. Elle est bonne. C'est la daronne à qui, ça, encore, putain. Oh là là. Mais elle est malade, c'est pas possible. Ah, putain, en plus, c'est même le titre de la vidéo. J'ai envie de toi. J'ai envie de toi. La classique. J'ai envie de toi, Nicole. Mais moi, je veux faire l'amour. Avec le regard et la voix, ça marche très bien. J'avoue, si tu fais un peu un plissement d'œil comme ça et tu fais... Salut. Comment ça va? Moi, c'est... Spider-Man, fils de pute. Ouais, et puis le consentement, c'est sexy en plus. Bah, peut-être. Va dire ça à un pédo ou un vieux... Il va pas te répondre la même chose, en fait. Prends-moi tout de suite, bam. C'est direct, c'est cash, direct, y'a rien à dire en plus. Je t'aime. Oh, que c'est mignon. J'ai lu le dernier, Eric, c'est moi. Attends, c'est quoi le rapport, là? C'est pas une phrase. C'est pas une phrase logique, ça. Si tu pouvais lire dans ma tête, là, maintenant, je pense que tu rougirais. Oh, ça, c'est une phrase d'accroche, ça. De nous montrer comment elle drague. Tu fais quoi dans la vie? Mais je veux dire, vraiment dans la vie. Tu sais pas ton métier, ce que tu fais vraiment de tes journées. Meilleure phrase d'accroche pour draguer. Ouh. Oh. Aucune, j'ai jamais été capable de draguer une fois de ma vie. On est ensemble, poteau. Est-ce que je drague? Je drague avec ma prestance, voyons. Ma prestance? Comment ça, ta prestance? Cosette, s'il vous plaît, vous avez fait tomber quelque chose? Votre sourire, hein, ma cellule. Oh putain, je vais le noter. Ça, je vais le noter, c'est magnifique. Tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas draguer, cette vidéo peut vous aider. Salut poupée. Salut poupée. Ça, non, on n'est pas en banlieue. Non, ces genres de phrases comme ça, je trouve que c'est trop vulgaire. C'est de regarder une fille, lui demander est-ce que tu me reconnais. Elle me répond non. Je lui réponds c'est normal, tu m'as jamais vu. On a exactement la même réaction. Non, mais je sais pas comment m'y prendre, moi. À part me pas faire passer pour un gros obsédé, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Voilà. En général, je dis rien et je pars. Je crois que je vais faire une bonne blague de merde sur la personne. Est-ce qu'elle rigole pas et qu'au pire qu'elle se moque de moi pour déclencher la conversation. Évidemment, quand t'es désespéré, tu prends toutes les occasions qui se portent à toi. Toutes. Je la regarderai droit dans les yeux et je lui dirai que je la trouve sympa, jolie. C'est classique, c'est mignon et c'est classique. T'en es pas? J'en ai pas. J'en ai pas. Ouais, je dirais que j'en ai pas du tout. Et pas non plus, mais attends, j'en ai deux. Je suis nul pour draguer. Je ne sais pas draguer. On est deux pareils. Ah non, mais je sais pas draguer tout court. Franchement, rien, je suis naze, hein. Je suis naze en drague. Je souris. Moi, je souris aussi, toi. Je souris. Je deviens rouge et je commence à pleurer, je pars. Tu vois, c'est la honte qui commence à envahir mon corps et qui rattrape tout le reste. Moi, on m'a jamais dragué. Alors, si peut-être, c'est faux, j'en ai absolument aucune idée. Mais ça se trouve, j'ai déjà été dragué et du coup, je me demande comment cette personne a fait, quoi. Généralement, c'est les autres qui me draguent, c'est pas moi. Pas du tout. Tu ressembles à un villageois dans Minecraft. Qu'est-ce que tu me chantes? Rien dire, tout dans les yeux. Non, moi je dirais que ça me ferait flipper. Genre, regarder dans les yeux pendant 30 secondes, ça me ferait flipper. Eye contact. Parce qu'après, quand je parle trop, je dis de la merde.
On est pareil, mademoiselle. Ça va plus être dans les regards. La technique des trois regards. Je parle pas, je regarde. Arrêtez avec vos regards là, c'est flippant. Je regarde pendant une demi-heure. Attends quoi, une demi-heure? Mais une demi-heure, mais wesh, la meuf elle remarque en une demi-heure. Si quelqu'un te regarde pendant une demi-heure, tu le remarques normalement. Enfin arrête, une demi-heure c'est énorme. Et après je fais des blagues, parce que dans la vie c'est soit t'es beau, soit t'es drôle. Tu peux être les deux, j'ai un pote, il est les deux. Généralement si c'est en soirée, bah ça danse quoi. Pas rentrer dans le tas, salut tu baises. Oula, ça c'est cru quand même. Salut, ça va? Je peux te baiser? Ouais, super, non? D'accord, c'est pas grave. Je note, on va dire. Les mecs comme ça, suivant sa connaissance de jeu, ce qu'il joue, etc. Alors, si tu joues à FIFA ou à Call of, c'est mort, on sera jamais potes. T'inquiète, je suis disponible parce que je joue ni à FIFA ni à Call of, ok?